Eh bien, bonjour à tous, c'est Electron Libre et aujourd'hui je viens de recevoir un colis et pas n'importe lequel puisque ça vient de chez Green Drive et devinez ce que c'est. Je vais l'ouvrir devant vous. On va cacher l'adresse là. Hein? Pour cacher ton adresse. Ah ouais. Eh bien, tu t'amuseras à mettre du flou, du floutage. Non, non, tu t'amuseras toi. Alors, attention. Qu'y a-t-il dans cette jolie boîte? C'est un sacré packaging. Voilà. Regardez bien. C'est beau. Une belle boîte avec un petit 3 dessus. Et ici, c'est écrit Tesla. Tesla, ouais. Je sais pas si on... Ouais, on le voit là. Une très classe, hein, l'emballage. Et donc, à l'intérieur, oh regardez. C'est la clé pour la Model 3. On dirait que tu vas faire une demande en mariage. C'est vrai, oui. Ça, je... voilà. Donc, avec cette jolie petite clé. Ah, il y a les piles incluses. Et tout. On va pouvoir commander tout dans la voiture, c'est-à-dire ouvrir le capot, ouvrir le coffre, les portières, la trappe de charge. Et quand on va s'approcher de la voiture, elle va s'ouvrir. Et on va pouvoir monter dedans et démarrer sans avoir ni de smartphone, ni la petite carte qu'on passe sur le côté. C'est-à-dire qu'en fait, ça va faire le même job qu'une Model S. Qu'une clé de Model S. Donc, nous allons mettre les petites pipiles. Dans les Model X aussi, c'est cette clé-là, non? Oui, Model S et Model X, c'est les mêmes clés. Alors, j'avais vu un tutoriel sur comment l'ouvrir. Il me semble qu'il faut... basculer ici. Voilà. Et hop. Oui, bah je crois que c'est tout. Il y a des petits ressorts là. Alors est-ce que c'est pas dans ce sens-là du coup? Ah bah oui. En fait, c'est parce qu'elle va dans ce sens-là et là elle rentre toute seule. Ok. Donc c'est la partie. Granulé vers le haut. Voilà. Donc le plus en bas. Le plus en bas. Voilà. Et donc on va remettre la petite. Ok. C'était on... pas mal que ça. C'est mieux que tu le fasses toi, comme ça au moins j'ai rien cassé. Toi. Ok, ça marche. Bon. Très bien, bah maintenant on va l'appairer à la voiture. Ouais. Et pour ça, il faut aller dans la voiture, dans les paramètres. Faire clé et après bah on va découvrir comme vous, il y a le manuel de toute façon. Ouais. Donc on est parti. C'est parti. Voilà, donc nous sommes à bord d'Electra qui est presque fini de charger, 90% de toute façon, recharge terminée. Donc ça c'est bon. Et on va aller donc dans les paramètres. Alors où je trouve où c'est. On va tâtonner. Hein. J'avais vu tout à l'heure. Peut-être verrouillage, non? Contrôle rapide, attends. Je sais pas. Éclairage, non. Verrouillage. Oui, c'est ça. Clé card. Mais non, mais là, il y a un plus. Vas-y, plus. Voilà, clé. Voilà, ajouter une clé ou une carte. Scannez votre nouvelle clé derrière le porte-gobelet pour commencer. Voilà. Attends, pour qu'on voit. On met la clé là. Et. Pour commencer, ajouter une clé téléphone, ça c'est bon. Ok, scanner, ben je scanne. Est-ce qu'il faut pas appuyer peut-être sur la clé? Je ne sais pas. Ils ont dit derrière le porte-gobelet. Ah, derrière le porte-gobelet, c'est là. C'est là où on passe la petite carte en fait, tu vois. Ah, ah ça y est. Scanner avec la carte existante pour approuver. Pour approuver l'appareillement, je sais pas quoi, l'appareillement, pardon, je sais plus lire. Voilà, ok. Donc, je dirais que là c'est bon. Il y a écrit, ouais, clé inconnue là, ok. Non, 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 on peut la renommer. Vas-y, donne-lui un nom. On va l'appeler Key Fob. Voilà, entrée.
Voilà, et 21h53, c'est ça. Donc, si je fais ça, il se passe pas grand chose. C'est censé ouvrir. Normalement, c'est censé marcher et ouvrir les trucs. Comment faire? Si je clique là, ça sert à rien. Bah pourtant, elle l'a reconnu. Ouais. Donc après avoir enquêté, on s'est aperçu que comme des gougnafiers, on avait mis la pile à l'envers. Et donc, ça marche moins bien. En regardant une vidéo sur Internet, comme la mienne sera utile pour certains. Sauf que là, c'était en anglais. Voilà, sauf que là, c'était en anglais. On a donc mis la pile à l'endroit. Maintenant, on va tester. Je referme juste et on se retrouve juste après. Voilà, à tout de suite. Bien, c'est non sans mal qu'on a réussi à faire marcher la clé, mais c'est normal, il n'y a pas de notice, il a fallu qu'on se démerde. Merci les youtubeurs américains d'avoir mis... Le mec, il avait 300 vues, le pauvre. Le mec, il a 300 vues, il m'a aidé, quoi. Comme quoi, hein, les vidéos, c'est utile. Donc, voilà, maintenant, on a une clé pour la Tesla. Donc, pour fermer la Tesla, on appuie sur... Attends, est-ce qu'on le voit ? Le toit. Et la voiture se ferme. On voit pas très bien la voiture, mais bon. Bah oui, il est tard. Si j'appuie deux fois, ça ouvre la voiture. Mais là où c'est le plus intéressant, c'est si j'appuie sur le coffre. Et c'est là qu'est tout l'intérêt d'avoir un coffre automatique. Attends, il y a la lumière là, refais-le. Parce qu'en fait, il n'y avait pas la lumière qui était allumée. C'est malin. Du coup, on voit rien. Donc, je refais une démonstration. On appuie deux fois sur le coffre arrière. Et là, c'est magique parce que là, avec la clé, on peut ouvrir le coffre. C'est quand même génial. Ça, ouais. On peut également ouvrir le coffre avant avec la clé en appuyant sur le coffre avant, donc deux fois. Et là, il s'est déverrouillé. Alors là, bien sûr, comme je n'ai pas laissé les verrous automatiques pour les raisons que je vous ai déjà citées dans une autre vidéo, mais voilà, ça l'a déverrouillé. Donc là, vraiment, là, c'est comme une Model S maintenant. De plus, grâce à cette clé, on peut donc fermer et ouvrir sa voiture. Ça, c'est une chose. Je vais tester aussi par éloignement, du coup. Oui. Voir si peut-être refermer tout avant. On va tout fermer. Et on va voir si par éloignement, ça ferme la voiture, ce qui serait topissime, parce que du coup, j'aurais plus besoin de mon téléphone pour ça. Donc, on va tout fermer. Donc quand vous avez le coffre électrique, vraiment électrique, alors là c'est génial parce ça le referme aussi. Ça le referme, bah oui. C'est génial ça. Et donc là on va s'éloigner de la voiture et voir ce qui se passe. Puisque normalement j'ai fermeture par éloignement. On voit rien du tout quoi. Bah ça klaxonnerait en fait. Donc oui voilà, c'est bon. Là j'ai rien fait, j'ai pas appuyé. Rien. J'ai pas appuyé, la voiture s'est fermée par éloignement. Donc ça marche. Donc ça fonctionne. Autre chose. Je m'approche de la voiture sans toucher à la clé. Est-ce qu'elle va s'ouvrir? Oui. Putain, c'est trop bien. Donc ça, c'est top. C'est-à-dire que j'ai plus de manipulation à faire. Je m'approche avec ma clé. Je laisse ma clé dans ma poche, d'ailleurs. Je la laisse dans ma poche. Hein. Et là, si je me mets au volant... Pied sur le frein. Je n'ai aucune manipulation à faire. Pied sur le frein. Pied sur le frein. Et elle est prête à partir. Voilà. Donc là, tu as une Model S miniature. Là, c'est exactement comme si j'avais ma Model S d'avant avec les mêmes options, la clé dans la poche. Ah, j'ai eu peur que ça marche pas au début. Je fais putain le fail. On avait juste mis la pile à l'envers, mais c'est normal, on sait pas. On découvre en même temps. Il n'y a pas de notice, quoi. Et donc voilà. Après, on est débrouillard. Donc on a été, vous voyez, on a été dans la. Attends, je vais rentrer parce qu'on voit rien. Ouais. Voilà, nous, comme on est quand même débrouillard, on a été dans la notice de la voiture, c'est évident, pour voir un petit peu pourquoi il y a trois types de clés, c'est bien décrit dans la notice tout ce que fait la clé. On voit, c'est tellement sombre. Ouais, c'est très sombre par contre, mais bon. Bon, bref. Donc, enfin bref, on a réussi à faire marcher. Peut-être que si je mets éclairage jour, attends, peut-être qu'on doit pouvoir. Ouais, parce que là, je suis on voit que attends, je pense qu'on peut le faire. Si je fais. Affichage. Ouais. Et tu mets jour. Jour là, voilà. C'est. Oh, bon, enfin. Voilà. Et là, donc on met entretien.
Là, c'est l'entretien. C'est manuel. Voilà, là, c'est bon. On y voit plus clair. Donc, on a les clés et on peut lire que la télécommande, cet accessoire est vendu séparément, semblable à une télécommande classique. Elle comporte des boutons qui vous permettent d'ouvrir les coffres avant et arrière, ainsi que de verrouiller, déverrouiller et conduire la Model 3. Voilà. Donc, merci Green Drive. Parce que je suis passé par Tesla, on peut pas avoir la clé. Je suis passé par le shop américain, faut se faire livrer au Canada par quelqu'un qu'on connaît qui livrerait la voiture. Là, enfin, c'est un vrai bordel. Green Drive, ils m'ont dit voilà, nous on commande la clé et vous la recevez chez vous, prix coûtant de chez Tesla, avec uniquement les frais de port et les frais de douane en plus, c'est tout. Donc la clé m'a coûté 210 €, tout compris. Et pour une clé de Tesla, je trouve que c'est tout à fait correct. Surtout ouais. Ce qu'elle apporte. Parce que là, elle apporte énormément de choses. Et c'est beaucoup mieux que la carte. C'est carrément mieux que la carte. T'as plus besoin de la carte en fait. J'en avais marre de la carte. Je suis obligé de la scanner parce que mon téléphone, des fois, je suis dans des endroits où il capte pas. J'arrivais pas à démarrer la voiture. Il fallait que je prenne la carte. C'était alors chiant. Alors là, t'as la clé dans la poche. Là, j'ai la clé dans la poche. Et je fais tout ce que j'ai à faire avec la clé. Donc vraiment, merci pour ça, Green Drive. Donc, ne vous trompez pas pour la pile. Vous ne trompez pas pour le sens de la pile. C'est le plus vers le haut. Et pour refermer la clé, il suffit de, en fait, d'appuyer fermement sur les clips. Hein, ça se ferme. Mais nous, on n'osait pas, on ne voulait pas casser. Hein. Voilà, on y va. Moi, je suis arrivé, je l'ai fermé. C'est du direct. Moi, mes vidéos, ce n'est pas du préparé, c'est du direct. Donc, on vous montre tout. On vous montre la galère que c'est quand on ne connaît pas. Mais grâce à ma vidéo, vous connaîtrez. Vous ne tu mettras peut-être le lien du gars aussi en description pour la vidéo. Non, mais la vidéo qu'on a regardée. Oui, bien sûr. Le petit tuto. Donc voilà. C'est en anglais. Et en plus, c'est super bien présenté. Ouais, c'est vraiment, le packaging est vraiment beau. C'est la classe. Et ça marche parfaitement, quoi. J'en connais une qui va vouloir te la piquer, la boîte. Mais je dis pas plus. Ouais. Ah ben, la boîte, je la garde précieusement. Et du coup, ce qui est génial, moi, ce que j'adore, c'est l'ouverture du coffre arrière que j'ai mis en automatique et qui, grâce à la clé, va s'ouvrir. Ouais. Et ça, c'est nickel. Donc ça, on refait un petit coup juste pour le plaisir. Bon, on voit pas bien ce qui fait trop sombre. Il fait sombre, il fait noir. On a fait ça ce soir là, comme ça, parce que je viens de recevoir la clé en fait. Mais bon, voilà, c'est fabuleux. Je suis super super content. Et tiens, je vois que j'ai une mise à jour là, dis donc. Oh, est-ce que ce serait pas oh putain, la mise à jour avec les plus 5% installée maintenant. Non, c'est bon, il y a juste à attendre. Non non, en fait, je crois que tu peux voilà. Quoi ? Oui oui. Et voilà, on est parti. Alors, c'est la 2019-32-12-2. Alors, je sais pas ce que c'est. Mais si c'est les plus 5%, je sens que je vais kiffer. Voilà, les amis. Et ben, merci beaucoup pour votre fidélité. Et puis, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je ferai des démonstrations avec ma belle clé. Et j'espère que t'as un porte-clé qui va avec. J'ai gardé celle de la Model S. Je vais le remettre dedans. Mais, Eric, il en a un rouge. Ouais. Oh, je vais lui piquer. Un échange ? Ah ouais, je vais lui piquer. Obligé, Eric, je te file mon truc d'origine et tu me refiles ton rouge. Bah bon, oui, allez. Mais c'est carrément bon. Mais ouais. Allez, salut les amis, à bientôt. Salut à tous.